Ça va bien? Clara Quintela ici. Bonjour, bonjour, bonjour Dominique, bonjour Clémence, bonjour pour votre présence aujourd'hui. Je pense à... Bonjour Virginie! Je pense à pour un moment que je serai toute seule. C'était Clémence qui a posé la question, a demandé si aujourd'hui on avait des cours. Oui, on a des cours. Bonjour Anne, ça va? Au moins 4 élèves, ok, je suis pas... Ah, l'audience, 5 élèves, excellent, excellent. Je vois que je ne suis pas toute seule ici. Et c'est super important d'avoir tout le monde présent aujourd'hui parce qu'on commence une nouvelle phase, un nouveau step de notre couverture, une nouvelle technique. Vous avez déjà appris les basiques, vous avez déjà appris à faire la dentelle, vous avez déjà appris à faire la torsade et maintenant on commence à travailler les couleurs. Yeah! Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Joyeuse Pâques aux amis qui sont de Pâques. Joyeux, je ne sais pas si j'ai dit joyeux, bonne, je suis désolée, je ne suis pas religieuse, mais Pessac aux amis juifs aussi. Si vous n'avez pas de religion comme moi, joyeux congé. Joyeux jour de congé à tout le monde. J'espère que vous aurez du temps pour tricoter beaucoup pendant les prochains jours. Bonjour Geneviève. D'ailleurs, j'aimerais aussi parler Dominique et Clémence, vous deux sont responsables aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me laisser oublier. Aujourd'hui, je vais proposer quelque chose. Donc, Clara, à la fin du cours, avant que j'ai dit bonne fin de semaine, vous deux, Dominique et Clémence, vont me rappeler, d'accord? C'est par rapport à l'enquête que notre amie Aurélie a mis dans les groupes, j'ai trouvé très pertinente et j'aimerais parler de ça tantôt, ok? Donc, on y va aujourd'hui! On va tricoter en couleur, mais on commence très doucement avec les cahiers des mailles glissées, d'accord? Ça c'est notre carré 13, notre 13e carré,
Il va être un peu différent, vous allez voir, mais grosso modo, c'est ça que vous allez obtenir. Et je suis prête ici, j'attends, ok, je vais voir mon iPad. Donc, ici, c'est qu'on va travailler aujourd'hui, ok? Donc, c'est parti, on commence le cours maintenant. Donc, première chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que malgré que c'est carré ici, comme tout n'a pas la bordure, on va toujours faire la bordure, d'accord? Ça veut dire que, oh là là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce n'est pas indiqué ici, trois premières mailles, trois dernières mailles, les trois rangs du début, ouais, je vous montre ici, trois rangs du début, trois rangs du début, trois rangs de la fin, c'est aussi bordure, 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 trois mailles ici, trois mailles là-bas, d'accord? Pourquoi on fait ça? J'explique encore et encore pour que ça fixe dans votre tête. C'est parce que après la bordure, ça va nous aider beaucoup les moments que je vais assembler ma couverture, ok? Donc, et pourquoi elle n'est pas dans la charte? Parce qu'elle n'a pas besoin. C'est quelque chose qu'il faut incorporer dans presque tous les carrés. Ça va changer bientôt, mais pas pour l'instant. C'est bon? Donc, voilà. Selon les patrons, si on regarde bien ici, Céline demande de montrer 38 mailles et tricoter 3 rangs au point mousse. D'accord? Donc, ça, c'est un carré qu'on va faire en 38 mailles. Pourquoi je maintiens tout le temps en train de cliquer dans les mauvais endroits, ok, je ne sais pas. Après, on va tricoter toujours les trois premières mousses et trois premiers et trois derniers points mousses. Les 32 mailles du centre, ici, c'est où on va travailler notre motif. D'accord? Et à la fin, on va faire notre trois rangs de mousse aussi pour pouvoir abattre notre carré. C'est bon? Ok. Donc, on y va. J'ai commencé ici. Ça va être la couleur que j'ai commencé. C'est ma couleur dominante. OK? En anglais, vous allez trouver ça comme main color. Ça, c'est la couleur dominante. Main color. La couleur principale. Ça, c'est en anglais. OK? Et les autres écoles, on appelle comment? Donc, ça, c'est comment vous allez trouver dans les patrons en anglais la sigle, la légende comme MC, Main Color, OK? Et les autres couleurs, on appelle des quoi? C'est les CC, c'est couleurs Contrasting Color. J'explique en anglais, mais Contrasting Color. En français, la couleur contrastante, d'accord? Donc, le main color, on a une seule main color. Tous les autres, ça va être des CC qui c'est contrasting colors, ok? Donc, ce carré ici, il travaille avec une seule main color et deux couleurs contrastantes. Les couleurs contrastantes sont représentées ici par les jaunes, ok? La couleur principale, la couleur dominante, la couleur principale, c'est la couleur verte dans ce carré ici. Et la couleur contrastante, c'est la couleur jaune et la couleur bleue. C'est correct? Ça va jusqu'ici? Super. Eh, Clara, mais mes couleurs sont pas ces couleurs que Céline a mis dans les cahiers là. Moi, je ne tricote pas ni avec du vert, ni avec du bleu, ni avec du jaune. Ouais. Donc, au début, on va nous dire à nous-mêmes qu'est-ce que c'est ma couleur principale. Donc, mon vert ici, c'est représenté par une couleur qui n'a rien à voir avec vert. C'est cette couleur beige. OK? Et une de mes couleurs contrastantes, ça va être cette couleur ici, un genre d'orange fluo. OK? Pour faire vraiment beaucoup de contraste, je n'ai pas séparé en troisième couleur, mais ma troisième couleur sera représentée comme la bleue. Okay? Donc, au début, je prends mon temps de dire c'est quoi ma couleur principale. Ça, c'est ma couleur principale. Ça, c'est une de mes couleurs contrastantes. Et là, j'aurai une autre couleur. Je n'ai pas ici. J'aurai une autre couleur contrastante aussi. Deux couleurs contrastantes pour faire ce carré, plus une couleur principale. Est-ce que ça, c'est compris? Oui, non, peut-être. Tout le monde a compris qu'est-ce qu'on va faire avec les couleurs?
Comment séparer les couleurs? Avez-vous des questions sur les couleurs? Bon, c'est mieux comme ça, hein? Avez-vous des questions des couleurs sur les couleurs? Dis-moi, ok, si c'est ok. Dis-moi, lève les mains. Oui, j'ai une question. Oui, excellent, je vous aime. Trop bonne. On y va. Donc, dans mon petit carré ici, j'ai déjà fait, en attendant les débuts du cours, ok, j'ai fait mes petits trois rangs de mousses et j'ai fait les rangs 1 et les rangs 2 de mon carré. Donc ici, on revient, laisse-moi tourner pour que ça soit plus grand, on revient à avoir des chiffres des deux côtés. Donc ici, j'ai mon chiffre 1, 3, 5, tous mes chiffres qui sont impairs. Et ici, de l'autre côté, j'ai tous mes chiffres pairs. Ça veut dire quoi? Je lis d'où mon chiffre est. Donc, si mon chiffre est ici, je lis de droite vers la gauche. Et si mon chiffre est ici, je lis de gauche vers la droite. Ça, c'est très important dans ce carré ici parce qu'il n'est pas tout à fait symétrique. Donc, si je me trompe, et je commence à lire tous les mondes dans les mêmes sens, dans les mêmes endroits ici, je vais faire un bobo. Et mon carré, il ne va pas être beau du tout. Ok? Donc, c'est de petites choses. Mettez des étoiles pour vous rappeler. Mettez des flèches ici. Mettez des flèches là-bas pour vous indiquer, ah, maintenant c'est ici, maintenant c'est là. Ok? Mon premier rang ici, j'ai décoté tout à l'endroit. Ok, tout à l'endroit, ici c'est la preuve, tout à l'endroit. Mon douzième rang, j'ai tricoté tout à l'envers. Ok, pourquoi j'ai tricoté à l'envers? Parce que ici, si vous regardez bien, ça c'est le côté endroit de mon carré. Ok, je vois que du mon côté endroit, il faut avoir un, deux rangs, un maille à l'endroit. Ok? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer. Ah non, celle-là n'a pas mis ici. Ok, super. Donc, je vous explique. Ça, comme je suis sur mon côté à l'endroit, petite révision pour les gens qui sont ici pour la première fois. Comme je suis sur mon rang à l'endroit, les carrés vides représentent la couleur, représentent la maille à l'endroit. Ok? Et quand je suis sous mon rang à l'envers, qui je tricote sur l'envers de mon travail, pour pouvoir avoir la maille à l'endroit du mon côté endroit, il faut absolument que je tricote à l'envers. Je sais que c'est un peu mélangeant, mais le plus qu'on tricote, le plus qu'on maîtrise cette idée. Quand je suis sous mon côté endroit, j'ai obéi la charte. Quand je suis sur mon côté envers, ok, je vois dans mon carré ici, je vois tout blanc ici, il faut que je tricote tout à l'envers pour avoir la maille à l'endroit de mon côté à l'endroit. C'est bon? Ça, c'est pas la première fois qu'on a fait. On a parlé beaucoup de ça qu'on a commencé à investiguer les chartes. Je pense que c'était déjà les cours 3, non, les cours 4. Oui, donc si vous avez encore des questions sur chaque endroit, chaque endroit, regardez toujours les cours 4. Faites une petite révision sur les cours 4, car dans ce carré ici, ça peut être un peu mélangeant. Vous allez voir pourquoi. Donc maintenant, je suis sur le rang 3. Donc comme j'ai dit tantôt, ma couleur verte ici, c'est ma couleur beige, c'est ma couleur principale. Maintenant, je vais changer de couleur. Comment je sais que je vais changer de couleur? La charte, elle présente une nouvelle couleur qui c'est ma couleur jaune. Donc, j'ai choisi mon orange pour représenter ma couleur jaune. Okay? Donc, petite révision de comment changer de couleur. Peut-être vous avez oublié parce qu'on avait fait ça seulement dans les premiers cours, dans les cours numéro 1. Pour tricoter un rayure, pour faire des rayures dans notre carré. Donc, c'est très facile de changer de couleur. D'abord, je rentre mon aiguille. Ensuite, je place mon fil sur mon aiguille, mon nouveau fil sur mon aiguille. Et je passe à travers comme ça. Voilà. Au début, mon fil il est complètement lâche. Donc, la tendance, c'est de faire ça. Ne vous inquiétez pas. On aura du temps de tout ranger bientôt.
Donc, je tricotais ma première maille. Elle est vraiment weird. Elle est vraiment étrange. Pas grave, ok? On va l'arranger bientôt. Je tricotais la première. Je tricote la troisième. Je tricote la deuxième. Je tricote la troisième. Voilà. Maintenant que j'ai tricoté trois, je peux tirer ici, je peux tirer là, tous les bouts de fil, et mon tricot est de nouveau en forme. Ok? Mais tricotez toujours genre 3-4 mailles avant de ranger votre tricot, parce que seulement une maille tricotée, c'est impossible de ranger, parce que, comme je dis, elle n'est attachée à rien. Donc on y va. Si je regarde bien mon rang 3 ici, c'est un carré vide. Le carré vide, il faut que je tricote à l'endroit. Donc, on y va. Peu importe comment je tricote ici continental, mais vous pouvez tricoter, comme vous savez bien, vous pouvez toujours tricoter à l'anglaise. À l'anglaise, ça va fonctionner pareil, ça ne change rien. Donc voilà, ça c'est mon rang 3. Je suis arrivée à la bordure. La bordure ne change jamais. 3 mailles à l'endroit. Yay! Super! J'ai tricoté mon rang 3. Donc ça c'est rang 1, ça c'est rang 2, ça c'est rang 3. Là, c'est le moment de tricoter le rang 4. Avant que je tricote mon rang 4, il faut, comme toujours, tricoter ma bordure. Je tricoterai maintenant à anglaise, pour ne pas dire que je tricote seulement continental. Je tricote mes 3 mailles de bordure tout le temps à l'endroit. Et là, je vais poser une question à vous. Comment je vais tricoter le rang 4? Je donne 10 points imaginaire à la personne qui va me répondre aujourd'hui. Comment je peux tricoter les rangs 4? Qu'est-ce qui représente les petites boules? Comment je peux les tricoter? Je veux savoir si vous maîtrisez la lecture des chartes. Oui! Bravo Clémence, bravo Diane! Exactement! Donc, je tricotais. Mais Clara, je vais tricoter un rang à l'endroit sur mon côté en bas. Oui. C'est pas parce que la maille est à l'endroit qu'on tricote seulement sur les côtés endroit. Et c'est pas parce que la maille est à l'envers qu'on tricote seulement sur les côtés envers, d'accord? On peut tricoter la maille endroit et la maille envers sur les deux côtés. Donc, on y va. Je tricote tout la rangée. Tous les rangs, je tricote. Vous voyez comme je suis bonne maintenant en train de tricoter à l'anglaise. Je m'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi je me suis pratiqué? Parce que j'ai dit, non, je suis un professeur. Il faut que je sache bien faire les deux. Donc voilà. Ça va me prendre 40 ans pour bien maîtriser, mais déjà, je ne lâche plus le fil. Je ne lâche plus de fil. Et le plus important, c'est que maintenant, j'arrive à tricoter moins serré. Parce que mon problème, surtout quand je tricotais de la façon anglaise, c'était que les mailles étaient super serrées. Donc, je suis arrivée ici. Ma dernière maille qui n'est pas attachée, elle est lâche. Donc, voilà. Voilà, j'ai tricoté les rangs 3 et les rangs 4. Maintenant, je suis rendue au rang 5. Et les rangs 5, il y a deux choses qui se passent. D'ailleurs, je vais changer ma couleur de nouveau. Je vais prendre maintenant ma couleur principale, ma main color, my MC, qui c'est mon beige. Et il y a ces petites V ici. Qu'est-ce que ça veut dire les V? Les V, si vous regardez bien ici dans la légende, ça veut dire glisser une maille comme pour la tricoter à l'envers, en gardant les fils du côté envers du travail. Mon Dieu, c'est trop de choses! Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Donc, d'ailleurs, je vais prendre mon fil beige. Ok. Et pour débuter, comme toujours, je vais commencer à tricoter mes 3 mailles de bordure. 1,
deux, trois. Ok, bordure est faite. Je suis maintenant ici sur le rang 5 et ça commence déjà sur les vies. Donc, si le côté 5, c'est un rang à l'endroit, ok, il y est vers moi. Donc, moi ici, mon côté endroit devant moi. Ça, c'est mon côté endroit. Ça veut dire que mon côté envers, c'est bien... Oups, mes cheveux sont ici. Ça veut dire que mon côté envers, c'est de l'autre côté. Donc, je vais glisser la main. C'est quoi glisser la main? Bon, c'est passer d'une aiguille à l'autre sans la tricoter. Ah, on la tricote pas. Mais Clara, on a vu ça où? J'ai déjà vu cette histoire de glisser la maille. Oui, tout à fait. Vous avez vu la maille glisser quand on a pris à faire, si vous vous rappelez bien, les sujets simples. Oui, la diminution sujet simple. On glisse, on tricote et on rabat la maille. Oui, on a vu là. Mais ici, il y a une différence fondamentale. Et j'aimerais que maintenant, vous fassiez attention. Et aussi, ensuite, prenez un crayon et mettez une étoile très grande et très important dans ce que je vais parler maintenant. Ce que je veux dire maintenant, c'est que quand j'ai fait mon sujet simple, je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle tourne des bords. On a déjà parlé aussi sur l'essence de la maille. Normalement, l'ouverture de la maille est vers la gauche. Et quand on fait un sujet simple, on la glisse en ouvrant. Oups. Quand on fait un sujet simple, on la glisse en ouvrant comme ça pour qu'elle tourne de l'autre côté et l'ouverture maintenant soit vers la droite. Ok. Ça arrive quand je veux faire une diminution qui tombe vers la gauche. Mais ici, nous ne sommes pas en train de faire des diminutions. Ok. Non, c'est un autre type de travail, une autre histoire. Donc, quand on ne veut pas faire des diminutions qui tombent vers la gauche, on toujours, on va glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers. Donc, ça veut dire que je rentre mon aiguille comme ça, je passe d'une aiguille à l'autre, voilà, et cette maille ici, la maille que j'ai glissée, elle est exactement égale à mon autre maille ici. L'unique différence, c'est que ça, c'est tricoté et ça, c'est simplement glissé. Elle n'est pas tricotée. D'accord? Là, mon patron, il m'a dit de glisser deux fois. Donc, j'ai glissé, oups, j'ai glissé la première, j'ai glissé maintenant la deuxième. De la même façon, je vais rentrer mon aiguille au pied de la maille et je vais passer d'une aiguille à l'autre. J'ai glissé deux mailles. Simple, je trouve aussi. Après, qu'est-ce qu'on va faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit avec ma couleur principale. Donc, je rentre mon aiguille ici. Ma couleur principale, elle est restée ici parce que je n'ai pas tricoté ni celui-ci ni celui-là. Donc, elle va faire ce qu'on appelle des floats. C'est quoi un float? Float, c'est flotter. Donc, les deux mailles, elle va sauter, mon fil il va sauter les deux mailles que je n'ai pas tricotées, d'accord? Et elle va flotter sur ces deux mailles-là pour que je puisse tricoter la maille qui vient après, qui c'est bien celui-ci. Donc, je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté quand je termine de faire les 6? Encore 2 mailles glissées. Donc, je laisse mon fil en arrière. Je laisse mon fil, je peux laisser dans mes mains, pas besoin que je les lâche. Mais c'est important que je ne passe pas mon fil ici en avant. Ok? Je laisse mon fil ici en arrière. Et je glisse maille 1 et je glisse maille 2. Et là, je continue, je vais tricoter jusqu'à la fin de ma rangée. 3, 4, 5, 6. Ah, j'aurai encore pour un autre. Je n'ai pas la même quantité de mailles que vous, d'accord? J'ai monté moins de mailles. Troisième fois et dernière, je laisse mon fil ici en arrière, du côté envers de mon ouvrage.
J'ai glissé un, j'ai glissé deux, je suis arrivée à la bordure. Donc, un, deux et trois. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Bonjour, la personne qui est sur Facebook, qui je ne sais pas ton nom. Bonjour, ça va bien? Ok, j'aimerais savoir, difficile ou facile? À date. Hein? On a fait seulement les 1, 5. Est-ce que vous avez bien compris? Facile, facile. Oui, j'adore. Écoute, j'adore faire les mailles glissées. C'est une des méthodes d'utiliser des couleurs sur n'importe quoi. C'est neat, c'est propre, ça fait pas ça donne pas de problème. Voilà, c'est simplement glisser la maille. Donc, comme vous pouvez regarder ici, dans mes rangs, j'ai des mailles qui sont d'une couleur et des mailles qui sont de l'autre couleur, pas encore tricotées. Ah, je suis contente, contente que tout le monde est heureuse, que tout le monde a trouvé facile. On va au rang 6 maintenant, ok? Le rang 6, c'est un rang à l'envers. Je ne vais pas obéir parce que, comme vous voyez ici, moi, j'ai moins de mailles que vous, ok? Je continue avec ma couleur principale. Je n'échange pas, ok? Et là, si vous êtes beaucoup, si vous aimez observer les choses, on ne va pas changer de couleur sur les rangs à l'envers, ok? Dans tous les carrés ici, à chaque fois que vous regardez, vous allez voir qu'on changerait de couleur seulement quand on arrive au rang impair, qui c'est de mon côté en droit. D'accord? Si je suis sur un rang pair, il faut changer de couleur, c'est que j'ai sauté quelque chose, ok? Donc, je vais là tricoter mes 3 mailles. Maintenant, je tricote continental. Je tricote mes 3 mailles de bordure. Et puis, je suis arrivée ici à... ces mailles ici ne sont pas la même couleur que je tricote maintenant. Ils sont pas ma couleur principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai glissé ces 2 mailles-là. D'accord? Si j'ai glissé dans les mailles... Si j'ai glissé ces mailles dans les rangs avant, ça veut dire que dans ces rangs ici, je vais la glisser pareil. Je ne vais pas la tricoter. Okay? Donc, si vous regardez ici, mes V ici, V, 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 ils sont tous ici un pilier. Donc, je ne vais pas glisser un autre maille. Je continue à glisser la maille que j'ai glissée les rangs d'avant. Donc, je glisse une. Je glisse l'autre. Si je regarde bien ici, les autres mailles sont en carré vide. Ça veut dire que si c'est un carré vide, je vais contrarier, je vais les tricoter à l'envers. Donc, je passe mon fil ici en avant et je tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens de trouver 2 mailles qui sont ici, okay, qui sont de l'autre couleur, ça veut dire que ce sont des mailles glissées et je continue à glisser. Chose très importante à savoir, hein? Comme j'étais sur mon côté en droit, chaque fois que j'ai glissé mes mailles, j'ai laissé mon fil à l'envers. Okay? Maintenant, je tricote sur l'envers de mon travail. Et je vais maintenir maintenant les fils ici sur ces côtés. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de passer mon fil en arrière parce que mon côté envers, c'est le côté qui me regarde. Donc je garde mon fil sur le côté envers. Il y a déjà un float ici pour vous rappeler que vous devez faire un autre float. Donc je rentre mon aiguille. Je rentre mon aiguille. Je glisse une maille. Je glisse une autre maille. Et je viens de faire un autre float. Un autre fil qui flotte derrière les mailles que j'ai glissées. Je tricote 6 autres. 2, 3, 4, 5, 6. Je rencontre encore des mailles glissées. Comment je sais? Des couleurs différentes. Ouais. Je glisse une. Toujours à l'envers. Okay? Même si je suis sur un côté droit. Même si je suis sur les côtés envers de mon ouvrage, on va glisser cette maille toujours de la même façon comme qui pour la tricoter à l'envers. Voilà.
Là, c'est mes 3 mailles de bordure, donc toujours à l'endroit. Je passe mon fil de l'autre côté et je tricote 1, 2, 3 à l'endroit. Je viens de finir les rangs 6. Oh, ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on oublie? Qu'est-ce qui se passe? Ok, quand on oublie de laisser les fils en arrière. Ici, je fais une erreur. Je n'ai pas fait attention. Et c'est ça qui m'est arrivé. Est-ce qu'il faut défaire les rangs? Non, pas besoin de défaire les rangs. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais les corriger. Je vais vous montrer, si ça arrive, comment on peut les corriger sans avoir besoin de défaire mon rang au complet. D'accord? Donc, comme il est plus proche de l'extrémité là, je vais passer mon tricot de l'autre côté. Donc, je suis plus proche de mon erreur ici. Je vais simplement glisser les mailles de bordure pour arriver ici. D'accord? Je suis arrivé exactement où mon bobo il est. Quel est le bobo ici? Mon float, il doit être toujours sur mon côté envers et pas du côté en droit. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement passer ce fil-là derrière mon aiguille. Donc, j'ai 2 mailles ici. D'abord, je vais passer les fils sur mon aiguille. Est-ce que j'ai fini? Pas encore. Maintenant, je vais glisser la maille 1, je vais glisser la maille 2 et finalement, je peux lâcher mon float en arrière. Donc, il est ici, je passe sous mes mailles de l'autre côté. Donc, façon très facile aussi de récupérer une erreur, d'accord? De rattraper une erreur. Et là, maintenant que mon fil est du bon bord, je peux passer toutes les mailles sur mon aiguille. Il n'y a plus d'erreur ici. Et je peux tricoter comme il faut. Ça veut dire que je suis prête à commencer maintenant mon rang 7, qui c'est avec ma couleur contrastante. Ma couleur jaune, qui dans mon cas, c'est ma couleur orange. Ça va bien jusqu'ici? Je vous écoute. Je veux savoir, avez-vous des problèmes à date? Avez-vous compris ce que j'ai fait pour récupérer ma maille que j'ai glissée, j'ai laissé les fils en avant? Avez-vous des questions, des regrets, des tristesses, des soucis? Tout est beau? Tout est clair. Vous êtes très bonne. J'adore. Super. Ah, je n'avais pas une question. Pour lever un rang en V, on ne contrarie pas la charte. V, c'est V. D'accord? Glisser les mailles, je ne sais pas si ça c'est ta question, Geneviève, mais glisser les mailles, on glisse toujours pareil. On glisse toujours la maille. Si tu regardes là la charte, tu vas voir qu'il n'y a pas une différence entre glisser sur les côtés en vert et glisser sur les côtés en droit. On glisse toujours pareil. L'unique chose que j'ai demandé, mettre la toile, c'est quand on glisse pour faire une diminution qui tombe vers la gauche. C'est l'unique fois que vous allez glisser la maille comme si c'était une maille à l'endroit. D'accord? Qu'est-ce que c'est glisser une maille à l'endroit? Je fais une petite récapitulation. C'est quand je rentre mon aiguille. C'est quand je rentre mon aiguille comme ça. De la même façon que je rentre pour tricoter à l'endroit. D'accord? C'est l'unique. Si c'est écrit dans les patrons, même si ce n'est pas en diminution, si vous prenez un patron et c'est écrit là-bas, glisser la maille comme pour la tricoter à l'endroit. Ou en anglais, ils disent, je laisse ici comme petite curiosité, slip one, oups, je mets ici en bas, slip, c'est tordu ma crème, ah, voilà, slip, oups, slip one, donc S1, ils mettent parfois PW. Qu'est-ce que c'est ça? Purl wise. C'est purl wise ici, ça veut dire comme si c'était une maille à l'envers.
Icon, c'est pour faire knitwise. Knitwise. C'est pour glisser la maille comme si on la tricote à l'endroit. D'accord? C'est ça comment vous allez trouver dans les expressions en anglais. Et normalement, il y a encore une autre information ici. Entre ça et ça, normalement, les patrons vont indiquer où il faut mettre les fils. Par exemple, slip one with, donc with yarn in front, or with yarn in the back. D'accord? S1 W Y I F P W ou KW. D'accord? C'est immense comme ça, mais c'est toute l'indication qu'on aura besoin. Glisser une maille avec les fils en avant ou avec les fils en arrière, comme si la tricotait à l'envers ou comme si la tricotait à l'endroit. Je laisse ici un instant si vous voulez faire, si vous voulez écrire dans votre cahier. D'accord? Ça fait plaisir, Geneviève. C'est une bonne question. Donc, peu importe la chose de glisser la maille à l'endroit ou glisser la maille à l'envers, il n'y a aucun rapport au côté endroit et côté envers de l'ouvrage. D'accord? Il y a un rapport avec la direction qui je veux que ma maille aille à la fin du rangé. Si je veux qu'elle tombe à gauche, j'ai fait glisser knitwise. Si je veux qu'elle continue comme elle est, je glisse purlwise. Et je vais vous dire que 99% des cas de mailles glissées, ça va être toujours purlwise de deux côtés. Ok? Toujours glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers des deux côtés. C'est bon? Je peux continuer? Je peux effacer ça? Oui, parce que nous sommes rendus au rang 7, je me suis perdue. Oui, c'est bon. Je vais effacer ça, sinon ça va tâcher mon iPad, mais vous pouvez regarder ça à la fin. Je vais écrire ici en haut, d'accord? L'expression c'est slip one with yarn in back or slip with yarn in front, et là ça peut être aussi purlwise ou knitwise, et c'est un O ou vous à la aha. Voilà, je laisse ici pour vous, d'accord? On y va, on continue maintenant sur mon rang 7. Je prends de nouveau ma couleur contrastante, mon rang 7 c'est bien ici. Je prends ma couleur contrastante. Je suis sur mon côté endroit de mon ouvrage parce que c'est un rang impair. On y va. Donc, d'abord, je tricote mes trois petites mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et il me demande encore de glisser ma maille à de nouveau sans la tricoter. Donc, voilà. Si c'est, j'ai tricoté mes trois mailles. Je laisse mon fil où il est, ça veut dire du mon côté envers, ça veut dire en arrière. Je glisse une, je glisse deux. Puis là, je fais mes six mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis arrivée à mes prochaines deux mailles. Comment je sais que c'est bien celui-ci, couleur différente? Je glisse une, je glisse l'autre. Je laisse mon float ici en arrière. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière deux mailles que j'ai glissées. Je glisse une. Même chose, je glisse purlwise. Je glisse comme pour la tricoter à l'envers. Et je tricote mes trois mailles de bordure. 2, 3. Yeah! Je viens de finir mon rang 7. Clara, je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'on va glisser pour le reste de la vie? Est-ce qu'on va étirer cette maille jusqu'à la fin? Non. Maintenant, c'est le moment de tricoter la malédicte, la maille, les mailles qu'on a glissées. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire
Comment on va tricoter les rangs 8? Comment on tricote les rangs 8? 10 points to Gryffindor. Tchou, 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 tchou. Comment on tricote les rangs 8? Tout à l'endroit. Merci Diane. Diane est là avec nous pour nous sauver. Oui, voilà, tout à l'endroit. Et si vous regardez bien aussi, dans les rangs 8, je glisse plus. Okay? Les mailles que j'ai glissées, qui sont les deux petites mailles ici, je tricote pareil. Ça change absolument rien. Donc, on y va. Je tricote un. Et là, c'est mes fils qui se mêlent. Je vais vous donner une astuce tantôt. Un, deux, trois. Je suis arrivée à mes deux petites mailles ici que j'ai glissées. Comment je sais qui sont les mailles que j'ai glissées? Les floats sont ici, derrière les deux mailles ici. Donc, c'est bien les deux. Je rentre mon aiguille, je tricote. Je rentre mon autre aiguille, je tricote. Et je continue. Donc, ça, c'est vraiment un bonbon. Je n'ai même pas besoin de regarder c'est quoi les mailles à qui j'ai glissé, parce qu'on va tout tricoter. Donc, pas besoin de faire aucun repère. On peut tricoter ça sans y même faire attention, parce qu'on va faire tous à l'endroit, inclus les mailles que j'ai glissées avant. Je suis tellement contente de tricoter comme vous, comme la plupart des gens ici. Ouais. À l'anglaise. Clara, est-ce que tu vas changer ta façon de tricoter? Non. Ben, ça va m'aider beaucoup pour les prochains cours. Vous allez voir pourquoi. Deux. Je suis arrivée à la fin. Un. Deux. Tcharam! Trois. J'ai fini mon rang 8. Et là, ça commence à avoir l'air de quelque chose. Oui. Donc, je suis rendue ici. D'accord? C'est ça qui arrive quand on glisse des mailles. Qu'est-ce qui se passe quand on glisse des mailles? Mes couleurs, elles vont interférer. C'est ça qu'on dit? Elles vont rentrer, interférer dans l'autre rang. Oui? Donc, on commence à jouer ici au milieu d'un rang beige. J'aurai des mailles mauves, j'aurai des mailles lavandes au milieu du rang. Donc, ça, c'est une manière, c'est pas l'unique manière, c'est une manière de travailler en couleur en faisant les mailles glissées. Petite chose qui n'est pas sympa avec cette méthode, dans notre cas ici, on pourrait faire tous les cadenas que vous regardez ici, toutes les chaînes que vous regardez ici, on pourrait faire avec la même couleur, d'accord? Vous pouvez tout simplement répéter ces rangs ici jusqu'à la fin. Mais je trouve que c'est plus joli quand on rentre plus de couleurs. Dans notre cas ici, on rentre la troisième couleur ici, plus en haut. Ça va être plus intéressant. Mais c'est possible aussi de faire seulement avec deux couleurs au lieu de trois. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des choses importantes. Ah, ok. Ça, c'est pas l'unique... Ah, ok. Je me rappelle. Donc, ici, quand j'aurai fini, quand j'ai fait ici mon rang 8, quand j'ai fini mon rang 8, on verra qu'on ne va plus utiliser les rangs, la couleur 2, la couleur contrastant jaune, pour longtemps, pour 8 rangs. Ça, c'est trop long pour faire un long float ici. C'est du gaspillage. Donc, quand j'arrive ici, il faut que je coupe mon fil. Je laisse à peu près mes 10 cm pour pouvoir rentrer. D'accord? Et après, je recommence mon rang 9 et mon rang 10. Je fais avec ma couleur principale, qui c'est mon beige. Et après, je prends ma couleur, ma troisième couleur contrastante. Ça veut dire que à chaque fois que je termine de faire une petite chaîne, il faut que je coupe mon fil. Il faut que je rentre mon fil après. Donc, ici, pour ça, il y a des gens qui trouvent très, très, très plate, très énervante de tout le temps couper les fils. Et c'est beaucoup plus de travail, hein? Parce qu'on aura
la couleur principale qui laisse un fil ici, un fil là. Mais on aura aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura beaucoup de fils à rentrer à la fin. Donc, il y a des gens qui ont de la paresse. Il y a des gens qui ont de la paresse à rentrer les fils. Donc, ça peut devenir laborieux. D'accord? Travailler avec les mailles glissées. Des fois. D'autres fois, par exemple, tu peux utiliser la même couleur du début jusqu'à la fin. Donc, tu auras seulement la couleur principale et la couleur secondaire, une couleur contrastante pour entrer les deux buts de fil. C'est correct. Un aspect que je trouve très joli aussi de travailler les points des mailles glissées, c'est quand on travaille un fil panaché, un fil tout colorié, sur une base solide. Qu'est-ce que c'est une couleur solide? Ça, c'est une couleur solide. Il n'y a pas de couleur mélanger ici dedans. Et un fil colorié, un fil panaché que j'ai dit, c'est un fil par exemple comme celui-ci. Donc si on mélange les deux là, la couleur elle va changer encore plus de toute seule. Donc ça donne un effet un peu inespéré, inattendu, je pense que c'est ça qu'on vous dit. Un effet inattendu. Donc, c'est très joli de faire des choses comme ça. Virginie, est-ce qu'on coupe? Voilà, on coupe. On va couper, Virginie, mais on va couper seulement les couleurs contrastantes, d'accord? La couleur, la main color, elle va continuer du début jusqu'à la fin. Mais dans notre cas, qu'on aura deux couleurs contrastantes, à chaque fois qu'on termine d'utiliser la couleur contrastante, et on va plus utiliser pendant 8 ans, là on coupe pour ajouter l'autre bientôt, d'accord? Maintenant, ce que je parle, c'est des petites variations qui sont très intéressantes. On pourrait utiliser par exemple un fil solide avec un fil colorié pour faire ce genre de points, ok? Et ça va être très joli. Je vous montre un livre, laisse-moi voir si le livre de Céline est ici. Oui, c'est un livre très intéressant. Ce n'est pas un nouveau livre, c'est un livre très ancien. Je pense que je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Qui c'est un guide pour le travail en couleur. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de travail. On va investiguer dans notre cours ici plusieurs types de travail en couleur différentes. Mais il y a un chapitre pour les mailles glissées. Qui se bien ça. Je vais vous montrer toutes les couleurs. Voilà. Ça, c'est quelques exemples, ok, des résultats qu'on peut obtenir avec les mailles glissées. Ok, donc on a des chevrons, on a des carrés, on peut faire des boules, on peut faire quand même un peu de dentelle. Je ne sais pas si vous pouvez regarder. Un peu de dentelle dedans, ça ne fait pas de focus. Donc, ça, c'est une variation du point qu'on fait maintenant. Ça, c'est les points que nous sommes en train de faire. Voilà. Oui. Donc, c'est ça, on a des six mailles entre une maille glissée et l'autre. Ici, on a moins. Donc, ça donne l'impression d'être plus taché. Comme vous regardez, ok? Donc, c'est un livre très intéressant. Regarde. Il y a tous les patrons ici, avec la petite charte. Oui. J'aime beaucoup parce que c'est très facile. Et Clara, est-ce que c'est toujours comme ça, les mailles glissées? Oui. L'unique chose qui change, c'est la fréquence et la quantité de couleurs que je peux utiliser. Par exemple, cette fréquence ici que je glisse ma maille, ouais, je glisse la maille beaucoup plus souvent que les points que j'ai montrés aujourd'hui. Aussi, ce qui peut changer, de notre cas ici, par exemple, on va glisser les mailles, mais mon fil, il va rester en avant. On ne va pas les cacher en arrière. Ça veut dire qu'on aura des petites flottes. Des petites flottes. Ici, par exemple, vous voyez. Des petites flottes qui vont apparaître sur les côtés endroits de notre ouvrage.
Donc, il y a beaucoup de variations, il y a tout un univers à explorer avec cette petite détail. C'est quand on tricote par la maille qu'on commence à ajouter des couleurs dans tous les rangs. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, je suis un enthousiaste de ce type de points-là. Je trouve, même en côte, regarde, ça c'est pas des côtes, ça c'est un point jersey. Un point jersey, on a fait de notre premier cours ici, le premier carré qu'on a fait, c'était un carré au point mousse rayé. Et la rayure était horizontale. C'est possible aussi, comme vous regardez, de faire les rayures verticales. Faire des rayures verticales. Mais je laisse ici, hein, de nouveau, vous pouvez regarder le nom du livre. L'auteur, c'est Margaret Radcliffe. Oui, j'ai recommandé ce livre-là. C'est un livre très intéressant. Et il y a des autres techniques. Okay? Des autres techniques qu'on va continuer à explorer. J'aimerais savoir de vous maintenant, quelles sont les questions que vous avez? Quelles sont des questions que vous avez? Des questions, des tristesses, des regrets, des doutes. Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Tout est beau? Tout est beau? Tout est bien? Oui, non, peut-être. On va continuer, ok? La semaine prochaine, on aura aussi un autre carré de mailles glissées qui, ça va être, comme toujours, légèrement plus compliqué. Ouais. Pas de questions, Anne? Super. Ouais, tout est beau. Merci, Virginie. Donc, je change de sujet. Je change de sujet. Comme j'ai promis, j'ai demandé à Dominique et à Clémence, qui nous regarde aujourd'hui pour la première fois. Bienvenue Clémence. Donc, j'ai parlé, je dis au début que j'aimerais vous parler d'autres affaires. J'ai vu qu'Aurélie, je pense que c'était elle, ou c'était Geneviève, non, c'était Aurélie. Aurélie? Ok, fais-moi la correction, c'était Aurélie, je crois. Aurélie a mis une enquête dans notre groupe pour demander s'il y a quelqu'un qui fait un deuxième projet de côté. Je pose la question à vous maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un deuxième projet, qui fait les carrés et après commence à commencer un autre projet? Oui, non, oui, je pensais, mais je ne sais pas si je suis prête. Oui, je veux bien, mais je ne sais pas où je dois commencer. Oui, peut-être. Non, Clémence, non. Est-ce que, et pour les gens, ah, Anne, elle a deux chandails en cours, d'accord, Anne, c'est bon. Bravo, Anne, bravo, moi je suis monogame des projets, hein. Oui, tu vas revoir le live, mais reste ici, parce que je pose des questions à toi aussi. Donc, je veux savoir, à part Anne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, principalement les amies débutantes, est-ce que vous avez un autre projet en cours? Easy comes. OK. Donc, Diane, oui. Easy goes. OK. Diane, oui. Virginie, oui. Elle n'est pas débutante. OK. Geneviève a sélectionné 75 projets, n'a rien commencé. Aïe, Geneviève. Je sais de quoi tu parles. Oui. OK. Donc, je propose une chose cette semaine. Je propose un exercice cette semaine. Je vais commencer un post, un trending, dans notre groupe Facebook et je vais afficher là dans les groupes pour que tout le monde puisse accéder. J'aimerais faire une petite liste des patrons que vous trouvez faciles, d'accord? Des patrons pour les débutantes, ouais. Je sais que vous êtes vraiment expérimentés déjà, ça fait déjà 13 semaines que nous sommes ensemble. Vous savez faire des diminutions, vous savez faire d'augmentation, vous savez déjà faire lire des chartes. Mais à chaque fois qu'on commence un nouveau patron, ça fait un peu peur. Donc, j'aimerais laisser une petite liste, j'aimerais faire avec vous, d'accord? Une petite liste des patrons recommandés pour les débutantes.
Donc, je vais commencer, je vais créer les postes. Et là, vous allez déposer dans les commentaires les patrons que vous avez trouvés sur Ravelry ou ailleurs, ok? Des patrons que vous trouvez qui sont intéressants, qui sont possibles. D'accord? Clara, je suis monogame des projets. Je fais un projet à la fois et je préfère finir ma couverture avant de me lancer sur un autre projet. Je te comprends parce que moi aussi, je suis monogame de projet. Je fais un projet à la fois. Quand j'ai plus d'un, j'ai fait des crises d'anxiété. C'est correct. D'accord? Quand même, garde la liste parce que ça va t'en servir dans le futur proche quand la couverture aura fini. Ouais, c'est bon comme ça? Je vais créer ça. La liste, je suis à la maison de côté maintenant, je vais créer, je pense que j'aurai du temps pour créer cet après-midi. Je vais faire ça. Et là, vous allez ajouter les patrons que vous allez trouver, les liens que vous avez trouvés. Je parle de Ravelry, mais si vous avez trouvé ces patrons ailleurs, c'est possible aussi, ok? Je vais ajouter aussi des patrons en anglais. Pourquoi? Parce que c'est un fact que les meilleurs patrons sont toujours en anglais. Pourquoi? Parce que même moi, par exemple, que je suis brésilienne, je parle portugais, je fais toujours mes patrons en anglais et en portugais. En français, j'ai un peu de la misère, je n'ai jamais personne pour réviser mes patrons en français. Donc, je suis désolée, ce n'est pas tous mes patrons qui ont des traductions en français. Je suis désolée. J'essaie d'améliorer. Mais je vais mettre les deux, les patrons qui sont en français et les patrons qui sont en anglais. C'est bon comme ça? Oui, et comme ça, on va faire notre bibliothèque à nous, notre bibliothèque de référence à nous. D'accord? Je vais voir aussi si je trouve un dictionnaire de tricot anglais-français, français-anglais, qui vous puisse aussi vous référer. Et bien sûr que d'ici jusqu'à la fin du cours, vous pouvez toujours poser des questions. Clara, qu'est-ce que ça veut dire? Comme aujourd'hui, j'ai expliqué, qu'est-ce que c'est les Sleep One with the Yarn in Front Pull Wise? Ouais, il y a toutes des expressions comme ça. Donc, je peux vous expliquer aussi qu'est-ce que ça veut dire, comment faire. C'est bon? Oui, j'essaie, Yann. J'essaie toujours, mais des fois, j'oublie. Des fois, c'est pas, ça ne vient pas automatique, mais c'est très important d'apprendre le terme en anglais, ok? En sortant de l'histoire de, ok, on habite au Québec, il faut parler français, oui, je sais, mais le tricot, il est universel. Et on a de beaux patrons, par exemple, japonais, qui, il y a la traduction en anglais, mais pas pour les français. Donc, je trouve que ça... C'est triste si on évite d'apprendre l'anglais parce que si on évite d'apprendre l'anglais, on va laisser de côté plusieurs beaux patrons dans plusieurs cultures différentes au monde. Et l'anglais, c'est la langue universelle encore. Ouais? C'est tout le monde parle un peu d'anglais. C'est correct comme ça? Je vais faire notre bibliothèque. J'essaie de faire aujourd'hui. Et chaque fois que vous trouvez quelque chose de joli, vous mettez là le lien. Parfait, c'est bon. Bon, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Je pense que c'est tout clair. Je regarde vos commentaires ici. Je pense que c'est tout bien compris. La semaine prochaine, notre carré 14 continue encore avec les mailles glissées. Et on va approfondir un petit peu plus. Mais vous avez vu, c'est très facile de travailler en couleur. Et c'est très gratifiant, c'est très beau. Les plus de couleurs qu'on met, plus joli que ça va être. D'accord? Je vous souhaite une superbe fin de semaine. Je vous souhaite, pour les gens qui sont religieux, une belle Pâque, un bon Passaque. Pour les gens qui ne sont pas religieuses, je vous souhaite un bon congé des tricots et des soleils. Aujourd'hui, ça fait très beau ici à Montréal. Je vous souhaite du bonheur et je vous souhaite de la paix. La paix dans les cœurs, ok? Bisous, bisous et à vendredi prochain. Bye!